Qu'est-ce que la censure dans un domaine ou des domaines artistiques que je connais en tant qu'artiste? Qu'est-ce que la censure dans l'art ou dans les arts? Parlons de ce qu'a été et de ce qu'est la censure. La censure dans les arts, dans l'histoire de l'humanité, concerne des artistes qui n'entrent pas dans les critères, non pas outrepassent, mais n'entrent pas dans les critères de leur temps, bien sûr, mais aussi des critères décidés par les groupes, les individus qui se constituent en pouvoir en s'octroyant la légitimité, comme diraient les psychologues sociaux, se pensant comme autorité légitime pour ce faire, c'est-à-dire pour décider ou non de ce qui peut être porté à l'attention du public en tant qu'œuvre d'art. Tous les arts sont concernés. Bien, dans le passé, ces pouvoirs, nous les authentifions comme, les identifions authentiquement comme des dictatures. Des dictatures ou des fiefs ou des exploitations des travailleurs ont toujours existé à partir du moment où des groupes sociaux se constituaient en pouvoir, bien sûr, ou que des individus ont considéré qu'il était légitime dans leur aire géographique grâce à ce que permettaient les pouvoirs, comme même à l'époque de l'Antiquité grecque, puisque là-bas, à l'époque, il existait des esclaves qui travaillaient pour des maîtres, des esclaves qui n'étaient pas éligibles au droit de vote, ni les femmes d'ailleurs. Mais dans l'art, dans les arts, ce que les artistes craignent quant à la publication, donc la mise à la disposition du public de leurs œuvres, celles qui leur semblent les plus pertinentes, même pour lutter contre ces pouvoirs, ce qui entraîne décision bien sûr tout à fait attendue de ses pouvoirs de les interdire ou de les empêcher d'une façon ou d'une autre, s'il n'est pas dans la loi ou dans leur loi de le faire de façon décisionnelle et donc inévitable par le droit. Les artistes dans l'histoire ont lutté contre la censure quand ils se sentaient lésés par ces pouvoirs dits légitimes. Même si les voies d'accès pseudo-démocratiques de ces pouvoirs au pouvoir, tels qu'ils existent dans nos temps, on dit modernes, mais pourquoi pas. En fait, les artistes, quand ils ont lutté contre les censures, contre la censure, ont décidé bien des fois d'utiliser des moyens détournés qui ne sont parfois pas même accessibles au jugement des puissants et des pouvoirs. Mais ces circonstances datent un peu dans l'histoire de l'humanité. Et à notre époque, à l'époque où les sociétés s'ouvrent aux droits de l'homme, au respect des personnes, il s'agit pour les artistes de penser qu'il est nécessaire de s'affirmer en respectant bien sûr tous les droits, toutes les lois, puisque là, nous pouvons de la sorte échapper à l'arbitraire des lois en les respectant. Ne serait-ce que par tactique, quand elles sont même mauvaises. Mais en fait, nous avons, nous artistes, où que nous soyons, si telle est notre décision, notre choix et nos options ou nos habitudes ou notre objectif ou notre désir, encore mieux, notre désir, qui doit bien sûr, si possible, ne pas être absent de tous les signifiants que j'ai énoncés auparavant et de leur réalisation ou de leur action réelle dans le réel, dans la réalité, leur impact sur les sociétés et sur les pouvoirs, bien sûr. Il est important, donc je disais, que les artistes fassent respecter leurs lois et demander au pouvoir, lorsque celui-ci abuse de son pouvoir illégitimement, souvent en empêchant la publication de nos œuvres qui sont
par ailleurs tout à fait recevable, c'est-à-dire que même recevable par les sociétés actuelles, qui sont par ailleurs dans le domaine, par exemple, de la publicité tout à fait et ultra permissive, alors que la publicité a quitté depuis quelques années le domaine de la création pour devenir de la manipulation, eh bien en fait, ce qui se retourne contre les marques qui font ce genre de publicité, mais ça, un jour ou l'autre, ils s'en rendront compte, mais en fait, nous les artistes, nous avons à lutter contre les censures qui ne disent pas leur nom. Voilà. Dans le passé, dans le présent, dans le futur, nous ne savons pas. Ceux qui luttent arbitrairement, illégitimement, illégalement contre la liberté artistique sont des dictatures et des dictateurs. Dans le futur, nous avons à nous dire que nous avons une, pour le futur, par rapport au futur, nous avons à nous dire que nous avons une responsabilité quant à la survivance à partir de notre présent, dans le futur, de racines, d'habitudes, de traditions qui font que la vie des artistes dans le futur, puisque nous parlons, nous, en tant qu'artistes, même si nous sommes bien sûr des travailleurs à l'égal de tous les autres travailleurs, et d'autres travailleurs ont d'autres préoccupations qui peuvent ressembler aux nôtres, eh bien, nous avons pour le futur à nous préoccuper dans nos œuvres des artistes futurs, comme les travailleurs à se préoccuper des travailleurs futurs qui peuvent être leurs enfants. Eh bien, en fait, nous avons à nous préoccuper de ce que notre art parle, même à tous les âges des humains présents sur la planète, où qu'ils soient, quand ils sont accessibles à à nos expressions. Nous avons à nous préoccuper, dans le présent, grâce au passé, de ce que sera le futur, de nos conditions humaines, professionnelles, et même souvent privées aussi, de vie privée, bien sûr. Alors, qu'est-ce que la censure? La censure, c'est la mûre. Mais la mûre peut être une façon de lutter contre la censure. Comment s'appelle-t-elle la mûre qui peut nous permettre de lutter contre la censure? La mûre s'appelle, s'écrit en deux mots, un article, LA, l'article défini, féminin, féminin défini. Et la mûre peut s'écrire de la sorte, MU, accent circonflexe, MU, accent circonflexe, RE. Et non, la mûre.